aujourd'hui, c'est mercredi 10 avril 2024. Un plaisir, quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Actualité internationale, guerre Israël-Hamas, yon attaque l'armée Israël, prend la vie trois petits garçons, leader suprême Hamas, Ismaël Haniyeh, qui fait annonce là, dans le moment gagné, yon négociation qu'a fait pour cesser le feu dans Gaza. Ici aux États-Unis, président Joe Biden accueilli dans la Maison Blanche, premier ministre japonais Fumio Kishida, côté au palais entre autres de technologie et défense. Spéciale réunion dans siège organisation État américain OEA dans Washington, sous yon conflit diplomatique entre Équateur et Mexique après arrestation ancien vice-président équatorien Jorge Glass dans l'ambassade Mexique dans ville Quito en Équateur. Et puis actualité en Haïti, installation Conseil présidentiel transition, toujours dans l'impasse pendant la crise là continue à aggraver dans le pays. Et c'est pour ça, yo, avec l'autre qu'on nous va le développer pour dans un petit moment. Merci d'être. Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de qui est qui côté, ou attendre et garder en même temps vidéo ça. Yon l'autre Franck Abdou, bienvenue sur Anel là pour une nouvelle vidéo de formation que nous portons pour aujourd'hui. Côté nous venons avec édition La Voix de l'Amérique, ça pour vous. Après La Voix de l'Amérique, là, quelques dans l'autre grand point cap domine actualité que nous portons pour une édition nouvelle ça, il faut qu'on ait gouverné loi dans le pays les États-Unis, signé une loi pour arrêter, eh bien, immigrants qui étaient déjà déportés. De l'autre côté, n'a pas connait une femme accusée dans pays Espagne parce que lui-même lui coupé partie intime ancien mari li, et puis lui-même lui accepté fait 7 l'année prison dans dossier ça. L'idée Hamas même yo dit eh bien il y a trois petits garçons qui mouri dans attaque Israël lui-même lui fait sous Gaza et eh bien qui braille en pile parler en pile toujours sur l'échelle internationale. Autorité on diras boule 1350 kg cocaïne yote saisi nan main trafiquant drogue. Détail n'a vini pour vous pi devant. 64 femmes avec tifi sibi viol sexuellement en bas meneg examio selon RNDDH. Toujours selon RNDDH, déjà gagné 208 moun yo même pour 3 premiers mois ça yo même selon ça yo fait connait que bandi assassiné. Pour ça kapil l'autre que nous pote pour. Mais avant même nous rentrer dans pour ça k ap dominer actualité a nous pral invité au pourtant de toute édition La Voix de l'Amérique là que nous pote pour aujourd'hui a nous souhaitons pas rater rien dans édition si là. Mais pas oublier si pour première fois tout tomber sur channel là, abonner, quitter un like sous vidéo a. N'a quitter avec La Voix de l'Amérique là puis devant n'a venir avec reste détail yo pour. Est-ce qu'on choisit VOA créole pour informer eh ben visite officielle k ap gen la dan dîner d'État, dans l'occasion viré un premier ministre japonais aux États-Unis, une visite qui commence aujourd'hui dans la Maison Blanche, en Alouest à Vibré. Dans la Maison Blanche, jeudi mercredi 10 avril 2024, la président Joe Biden et toute première dame Jill Biden recevoir premier ministre japonais Fumio Kishida qui les gagne avec tout madame ni. Monsieur Biden accueilli avec un pile honneur visiteur Sayo, dans ça un pile monde considéré tant une visite historique. Distinguished guests, the president of the United States. Mr. Kishida. Welcome. Président Biden nan non vice-présidente la Kamala Harris ak tout maril nan non peuple américain accueilli coupe japonais nan pays a pendant li présenté leader japonais comme un leader visionnaire et courageux pour mesure li prend pour soutenir Ukraine nan lutte contre invasion la Russie. Premier ministre japonais bon côté pas le remercier leader américain pour accueil chaleureux li recevoir nan occasion viré on ça nan moment y a travail sous défense indo-pacifique la. Premier ministre japonais a expliqué que gouvernement nan paré pour tout un partenariat mondial pour lever un pile défi dans la région et défi dans le monde. Visite officielle ça à Cap Gien la dans tout un dîner d'État, c'est occasion pour deux leaders faire appel historique sous histoire et aborder un pile dossier important en cours et stratégie avec défense. Mais tout visite ça a gagné un autre symbole entre États-Unis et Japon pour alliance que gagné qui là longtemps dans mi-temps cerisier yo dans mitan cherry blossom. Dans l'occasion de partenaires ont tout profité annoncer nouveau partenariat sous programme qui gagne rapport avec technologie, exploration spatiale sous la lune et partenariat sous recherche sous intelligence artificielle, énergie propre sans oublier question qui gagne rapport avec semi-conducteur. Et bien actualité maintenant nous dans la région Moyen-Orient côté président Joe Biden pensait que ça c'est pour erreur si Israël eh ben menait opération dans Rafah pendant ce temps gagnait leader et suprême Hamas là qui perdu trois petites garçons et puis quatre petites tout qui mourir pendant que a gagné une négociation qui sous pied pour essayer d'annoncer annoncer c'est le feu dans Gaza. Nous allons mise à jour avec Serge Rodriguez. Dans une interview, président Joe Biden, by station Univision, et que chaîne Pagnol l'a diffusé hier mardi 9 avril, l'idée États-Unis a exprimé gros qu'elle sautait sous action pour le premier ministre Israël, Benjamin Netanyahu, à poser dans le cadre de conflit État-Juif-là à groupe Hamas-là. Il qualifie action Sayo comme une erreur, particulièrement en tant que militaire israélien, été lancé sous véhicule personnel qui a fait assistance humanitaire dans Gaza. M. Biden a aimé pour État-Juif-là proposer un cessez-le-feu qui va être camion qui a porté manger avec médicaments, accès au territoire Gaza pendant 6 à 8 semaines qui a vint là. Et de l'autre côté, dirigeant groupe Hamas Ismaël Haniyeh, annoncé sous chaîne télévision Al Jazeera, la mort trois petits
petit garçon avec plusieurs petites petites lits qui périt dans une frappe militaire israélienne lancée sur Gaza. Moi remercie bon Dieu pour honneur qui transforme trois petites garçons avec diverses petites petites moins en martyrs. Monsieur Anier était fait annonce ça étant dans le pays Qatar. Leader groupe Amasta qui a 61 ans, gagne 13 petites garçons avec petites filles en tout. Serge Rodriguez, VOA Creole, Washington. Donc les négociations vont continuer pour essayer de joindre un cessez-le-feu dans Gaza et pendant que le président Joe Biden une autre fois encore ensemble avec Nations Unies l'autre instance dit que c'est un erreur si Israël menait opération ça dans Rafah pendant tout que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu qui dit que eh bien, c'est dernière phase pour déraciner Hamas sous la terre c'est et mener une opération dans Rafah. L'autre point d'actualité a une spéciale réunion dans siège Nations Unies pas dans Nations Unies dans OEA plutôt dans Washington côté où t'as considéré conflit diplomatique entre Équateur avec Mexique après arrestation et ancien vice-président équatorien George Glass dans l'ambassade Mexique là dans ville Quito en Équateur. Jean-Robert Philippe qui a suivi pour nous dossier ça. Jean-Robert, il faut dire que et tension diplomatique ça déjà gain conséquences. Oui, effectivement, c'est il y a gros conséquences, il y a un pile qui a sauté tout pour que par une répétition qui fait comme ça dans zone là, les par exemple force de l'ordre rentrer dans l'ambassade qui sont en mission qui est en général d'après la loi internationale qui est inviolable. Et c'est comme ça que ça a fait mais tout et États-Unis et ensemble avec l'OEA ils ont demandé à ce que les parties concernées donc Équateur avec Mexique que chercher une entente pour résoudre problème diplomatique ça sans avoir besoin d'un bouche ouverte. Et c'est comme ça que rencontre ça qui était fait jeudi, c'était objectif là, tant des parties concernées, tant des pays et tout, mais quoi t'as dit une position là et le fait qu'il était entré dans l'ambassade là, il y a des informations que très certainement pays concernés, que ce soit Mexique ou bien l'autre pays dans la région, pas de gain. Mexique dans bouche l'ouvrir diplomatique avec Équateur après descendre de l'île force de l'ordre été fait dans l'ambassade PIA dans Quito pour arrêter ancien vice-président Jorge Glass qui était prend refuge dans la mission diplomatique mexicaine. D'assalto à nuestra embajada. Président Manuel López Obrador parlait pour dire que c'était une attaque sur l'ambassade. Le gouvernement n'a pas posé action comme ça s'il n'a pas senti qu'il y a un support de l'autre gouvernement. Pour raison ça, nous avons porté dossier devant le tribunal de justice international. Enregistrement vidéo montré personnel de l'ambassade là qui a cherché à empêcher force de l'ordre d'arrêter ancien vice-président. Mexique a offert ancien vice-président Glass asile. Président Obrador déplorait position États-Unis et Canada pour façon dont il réagit après descendre de l'IA dans l'ambassade là. Selon leader mexicain, position de pays voisins yo vague et yo pas clair. Mardi 9 avril, les États-Unis demandé Équateur pour le travail avec Mexique pour joindre une solution pour chirer pit diplomatique que yo gain entre eux. We condemn this violation of the Vienna Convention on Diplomatic Relations, including the use of force against Mexico. Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, dit États-Unis condamné événement 5 avril là, qui c'est une violation convention en relations diplomatiques viennent, tant qu'utilisation de la force contre responsable ambassadeur. Nous réviser image qui sous caméra sécurité ambassade Mexique là et quoi réaction pas de bon. Pour qu'on y là employé ambassade Mexique là dans Quito retourner la caillo sous demande autorité mexicaine. Pays membre organisation État américain rejeté opération force de l'ordre Équateur fait dans ambassade Mexique là dans Quito. Il réitéré l'obligation que tiennent tous les États de ne invoquer normes de droit interne pour justifier. Le général organisation régionale là, Luis Almagro, déclaré Équateur de respecter loi internationale. Mission diplomatique inviolable. Numéro 1, l'OEA a ajouté loi interne PIA pas capable de justifier des centres de lieu. Jorge Glass, qui était vice-président en 2013 et 2017, était condamné pour passer 6 ans en prison pour accusation que l'IT accepté coûte l'argent imbattable dans mes compagnies de construction brésiliennes Odewetch pour être capable de faire joindre en retour contrat gouvernement. En 2020, ancien vice-président a eu une autre condamnation 8 ans en prison en bas d'accusation que l'IT utilisé l'argent contracté pour financer la campagne mouvement politique président Rafael Correa. Le tribunal là a été lagué glace en 2022. Jeudi, il a fait face avec l'accusation que l'IT a mal utilisé l'argent qui était là pour aider le travail de reconstruction de la province Manabi qui bol en mer après le tremblement de terre 2016 là, été dévasté. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Il y a plusieurs personnalités qui prennent la parole dans le dossier. Ça, d'ailleurs, le dossier a été déjà devant Nations Unies. Il y a Rafael Correa, ancien président équatorien, qui lui-même pensait que son kidnapping que a fait sous ancien vice-président équatorien. Et puis il y a Jorge Glass et Diaz, qui c'est petit et garçon ancien vice-président, qui lui-même dit l'a laissé deux fois pour le papal. Et il pensait que c'est un abus que il a fait sous douane. Vous souvenez à Creole, on suivi un programme dans la langue créole haïtienne. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer l'actualité à nous connaître dans le pays d'Haïti. Et côté installation conseil présidentiel transition, il est toujours dans le passage pendant que la crise là a continué à aggraver dans le pays, surtout avec opposition, avec contestation par rapport à conseil
présidentielle transition. Nous allons rejoindre le correspondant Renan Toussaint. En pile, personnalité haïtienne attend publication dans le journal officiel l'État, les moniteurs, non 9 citoyens qui pourraient faire partie officiellement du Conseil présidentiel transition. Nous savons pour qu'on pour qu'il est là, puisque mardi soir, 9 avril 2024, le gouvernement démissionnaire Ariel Henry, qui était réuni en Conseil des ministres, transmet le projet accord qui crée organisation et fonctionnement structure ça dans le service juridique tout ministère pour capable vérifier si le projet est conforme à la loi organique institution de l'État. Ancien Premier ministre haïtien Evans Paul dit démarche là pas bon parce que le gouvernement démissionnaire. Qui ne pas comprendre le problème là, parce qu'il y a une voie liste pour dire publier dans le moniteur. Mais il y a un mécanisme pour publier dans le moniteur. On ne peut pas demander un gouvernement, même s'il est démissionnaire, raison de plus, il est démissionnaire, pour publier un bagage illégal. Bon, côté parle, Rose Mongeant, qui est leader Front National, organisation Résistance pour un Haïti stable et démocratique, qui regroupait plusieurs dizaines de structures sociopolitiques parmi eux, Haïti Diaspora réunis pour Jomo et diverses autres, qui réagit tout sur le dossier ça, dit ministre Kilayo, pas de prérogative légale pour réunir un conseil des ministres. Dans ce temps, la communauté internationale, notamment les États-Unis d'Amérique, attend mise en place officielle Conseil présidentiel transition. Renan Toussaint, au VOA Creole, Port-au-Prince. Eh bien, effectivement, il y a un coordinateur général national organisation pour Haïti qui est stable et démocratique aux Mongeants. Il a annoncé une manifestation contre mise en place et Conseil présidentiel transition. Nous allons rejoindre Massado Villemel, trouvé la capitale haïtienne, Port-au-Prince. Rosemont Jean qui identifie tête li comme un opposant gouvernement Ariel Henry et puis qui dit il pas marcher dans démarche carré comme là annoncé une manifestation pour vendredi 12 avril qui va venir là pour aller dénoncer démarche si là yo quoi qui c'est une menace contre indépendance pays. Nous dit la CARICOM, les États-Unis, la France, le Canada pas gain ça dans attribution puis c'est yo qui a nommé président pour nous. Pardon, qui a nommé président pour nous en Haïti. Et encore plus qui venait avec au conseil grève de 10 monde de 9 monde de 9 malfaiteurs. Nous dit, nous-mêmes, nous avons fait résistance parce que c'est un très mauvais antécédent qui a créé la caillou. C'est une menace à l'indépendance, c'est une menace à la souveraineté. Nous-mêmes, comme Haïtiens, personne ne va faire le droit à ça. Mais nous, pour nous dénoncer et dit, tentative qui a fait là pour vendre le pays. Meilleure stratégie, c'est pour faire force pour nous répondre à toute mobilisation, pour nous casser le bagage ça, pour nous casser la stabilité, pour nous résoudre le problème de stabilité. En termes de réaction, quelques citoyens plaident en faveur avancement mis en place collège présidentiel là. Moment arrivé pour haïtiens conscients des situations. Je crois que monde qui soit disant que dans le conseil là, c'est pas monde qui sorti en l'air, c'est pas monde qui sorti en France, c'est pas monde qui sorti aux États-Unis, c'est des haïtiens oui. Je dis souvent haïtiens pas conscients de ça qui passe dans le pays là, donc capable tout finalement pas haïtien. Moi m'a conseillé que en conseil là comme pour jeunes non alternatif, le consensus, non attaque politique pour nous permettre de faire ça, ce que nous avons doté le pays de un président qui se tient dans le conseil. Dans ce conseil-là, je ne peux pas dire que je ne peux pas faire pour le pays. Mais moi, comme étant donné que je suis un qui plus ou moins là, plus ou moins, c'est l'inéo qui a parlé sur lui tout côté de la radio. Les femmes nous connaissent que le peuple a souffert là. Ok, le peuple a souffert là, pour nous qui veut une solution. Je ne sais pas qui est le cabinet de conseil, je ne sais pas qui est le président. Mais son seul bagage, il a besoin de souffle. Bon, moi, en tant que citoyen et citoyen avisé, je souhaitais que le conseil-là, côté un résultat pour la population. Face à l'instabilité politique là, qui traînait derrière une augmentation de violence avec un niveau d'insécurité sans pareil, qui la cause monnaie haïtien a perdu valeur devant dollar américain. Côté sous-marché formel là, c'est 132 à 133 goudes pour dollar, alors que sous-marché informel là, c'est 137 à 138 goudes pour dollar américain. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massado Villemé pour VOA Creole. Merci Massado Villemé. Pendant que l'installation Conseil présidentiel transition lui-même est en difficulté, il y a plusieurs secteurs dans la vie nationale qui continuent à réclamer pour y aller. Dans le cours de cassation pour rejoindre un juge qui est régulièrement nommé pour venir assurer transition. Donc, ça qui fait que jusqu'à présent, il y a un pile flou dans ce qui a passé dans le pays d'Haïti pendant que la communauté internationale lui-même, il y a même gardé pour y aller. Et dans quelle mesure que l'installation est capable de faire. Et puis, dans la question de gang armé qui continue à cimer l'intérêt, il y a Gary Desrosiers qui présentait un bilan opération police nationale à mener pendant le dernier jour qui se passait dans le pays pour faire face à avec gang armé. Nous sommes sur place, Yves Manuel. Direction générale police nationale d'Haïtien présenté bilan partiel intervention et opération li mené pendant période 26 mars pour arriver 9 avril 2024 là. Gagné 12 fusils d'assaut, 14 pistolets de calibre 9 mm qui saisi lors d'une intervention conjointe faite au cap dans le douanement et avec appui de agents douaniers. La police a recherché activement Willman Jean, commissionnaire de douane,
Baftol, ainsi connu, c'est lui-même qui t'appelle recevoir Carison. Environ 1500 cartouches de cocaïne confisquées, 6 300 000 gourdes confisquées, 20 000 dollars américains confisqués, 2 véhicules confisqués, 9 motos confisquées, gagné malheureusement 6 policiers qui blessés lors d'une dernière intervention et opération de la police. Gagné 6 armes qui saisies, dont un fusil d'assaut lors d'une opération d'intervention PNH. Gagné plusieurs bandits armés qui neutralisés par la police lors des champs de tir avec la PNH. New York, ainsi connu, qui a opéré dans une cité de Doudou, où se blessé mortellement lors des champs de tir avec la police. La police saisit lors de l'intervention sociale. Un fusil d'assaut, une centaine de cartouches. Le 4 avril 2024, dans Japon, Jean-Pierre Anthony, qui continue d'opérer par l'acquis, monsieur qui fait partie d'un gang qui a opéré, donc ça a réglé Tim, au niveau Japon. La police procédait à l'arrestation d'un policier. C'est policier aux îles Stafford. Situation sécurité pays a toujours été malouque. Bandi a utilisé plusieurs méthodes pour empêcher la population à vaquer à l'occupation. Gary Desrosiers continue à demander soutien à la population pour traquer les gangs. Dans la société, à plus la population, non, travail de PNH d'affaires. Situation sécuritaire très délicate. Et Bandi a utilisé plusieurs moyens pour empêcher la population à vaquer à l'activité. Et il a tiré tout en direction du PNH dans l'intervention, cocktail Molotov. Et utiliser vos armes en foi. Opération et intervention police nationale d'Haïtien qui a continué dans plusieurs quartiers, notamment dans le centre-ville, selon la police. Moi, c'est Yves Manuel, de Port-au-Prince, pour VOA Créole. Et bien, dans le cadre d'opération que la police a menée, il y a été gagné et démolition, plusieurs cailles dans la zone aéroport international là, et côté ça sorti, c'est bien. Et compagnie sécurité qui fait et compagnie aérienne exigence si pas assez de sécurité notamment dans zone aéroport yo pas capable bailler assurance et l'état haïtien lui-même li obligé prendre les mesures nécessaires. C'est ça qui fait que la police nationale a commencé dans démolition, mais ça qui passe c'est que gagne pile monde qui dit que ou bien caillou marqué à démolir ou bien au démolir, mais pour qu'on joigne cob et que l'état promet yo pour caille que yo casia et puis gagne problème de titre de propriété. Son dossier qui est très important n'a retourné sous les. L'autre point d'actualité surtout toujours concernant pays d'Haïti, la Maison Blanche qui a essayé de faire congrès à débloquer l'argent pour financer force multinationale qui est pour entrer dans le pays d'Haïti et qui a gagné tête Kenya. Sandra Lemaire, gagne détail sous des massacres qui a fait. Conseiller Maison Blanche sous affaires sécurité nationale, Jake Sullivan, dit journaliste, m'a dit que l'administration a consulté congrès pour chercher à débloquer financement qui est essentiel pour déployer une force multinationale pour Haïti plus vite possible. C'est Kenya qui pourra diriger force. Consulting with the Congress to try to unlock that funding because it is critical to get a multinational security force led by the Kenyans on the ground in Haiti as soon as possible. Il dit n'a travaille à Congrès pour débloquer financement ça parce que les urgents pour déployer une force sécurité multinationale que Kenya va diriger en Haïti plus vite possible pour aider rétablir stabilité à la paix pour nous soulager souffrance peuple haïtien. Sullivan rappelait que l'objectif force là, c'est aider à stabiliser Haïti et puis mettre la paix pour soulager souffrance citoyens innocents haïtiens. Sullivan souligne que les États-Unis mettent des programmes en place pour aider les Haïtiens qui voulaient venir aux États-Unis. Il dit nous allons continuer à pousser pour devant avec le programme SAIO. Il dit tout, les États-Unis ouvrent porte pour Haïtiens qui ont couru pour les violences gangs, qui c'est une décision historique. It's a historic level of access for people who would be fleeing violence or otherwise seeking to deal with their circumstances in Haiti by coming here. Lidi assistance historique n'a bail pour haïtien k'ap kouri pour violence là ou bien qui a échappé en bas mauvais conséquences la vie en Haïti et qui vient aux États-Unis, nous a continuer faire ça. Sullivan répéter que cause principale situation Haïti a c'est insécurité a. But the root of all of this, of people's ability to operate freely in their country or choose where they're going to go from their country is security and stability. And the United States. Il dit ça que la cause haïtienne pas qu'à circuler librement dans le pays, ni choisir qui côté il veut aller, c'est insécurité et instabilité. États-Unis a dirigé un effort mondial pour aider à rétablir stabilité pour toute activité continuer à dérouler grâce à une force multinationale. Nous avons besoin d'argent pour faire ça. Sullivan dit l'administration Biden a cherché support démocrate ou républicain dans le Congrès pour débloquer l'argent. Monsieur Fekone, c'est chaque jour conversation ça a déroulé. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington.
Docteur, nous capable le dossier Haïti à tout partout, que ce soit dans OEA, que ce soit dans Nations Unies et dans le département d'État, dans la Maison Blanche qui eux même a penché sous dossier ça pendant ce temps. Nous connaît que conseil et transition présidentielle transition lui-même est toujours dans difficulté pour l'installer avec toute confusion qui gagne dans question légale et autres n'a suivi pour. Mais malgré ça et sécurité avec violence gang yo, Nations Unies avec tout partenaires yo et local et international rivé distribuer aide humanitaire by moon qui n'a besoin. Nous parlons dans New York avec Valérie Saint-Louis. Haïti a fait face à gros défis humanitaires qui ont augmenté à cause de violence gang qui intensifié pendant 3 semaines qui sont passées là. Il a rapporté que gang Kounia contrôlé environ 90% de Port-au-Prince et a lancé attaque chaque jour dans la capitale. Selon Nations Unies, violence gang a forcé 53 000 personnes qui étaient ville là. Gros coup de zam qui a tiré en bas la ville Port-au-Prince, forcé pif aux boutiques avec misé sur fermé depuis plus passé un mois. Dans une autre partie dans la ville, partisan ancien leader rebelle Guy Philippe boulait caoutchouc et puis bloqué l'arrière pendant qu'il a essayé faire une manifestation pour demander que Guy Philippe fait partie du processus politique là. N'a pas appelé que monsieur Amé a boulé commissariat à la police, il a coup de zam sous principal aéroport international là qui était fermé et puis il a envahi 2 plus gros prisons en Haïti et il a libéré plus passé 4000 prisonniers. Nations Unies rapporté que jusqu'à date 22 mars là plus passé 1500 moun t'est mouri et yon lot 17 000 moun t'est obligé courir quitter kayo à cause violence gang yo. Nan mitan tout désordre ça yo travail humanitaire a plité pour offrir service clé de base yo tant que soins santé et puis distribuer manger by groupe moun qui n'en besoin et qui pi vulnérable yo. Programme manger mondial là World Food Program continue faire distribution manger ensemble avec partenaires local et international yo. Yo ba yon plat chaud chaque jour, yo distribuer plus passé 22 000 repas chaud by moun qui déplacé yo. Pendant ce temps, organisation internationale migration ensemble avec partenaires yo té distribué 132 000 litres d'eau dans 500 déplacements à travers zone métropolitaine Port-au-Prince là. Système soins santé en capitale arrêté très fragile. Au moins 50% établissements santé dans zone métropolitaine Port-au-Prince là soit fermé ou soit service affecté en pile par violence gang yo. Partenaires humanitaires continuent supporter service réponse soins santé à travers clinique mobile yo toujours dans centre déplacement yo et puis yo bay équipement médical ak fourniture pour reste l'hôpital qui a fonctionné yo. En dehors Port-au-Prince dans l'autre département yo, opération humanitaire Nations Unies yo a continué. Organisation World Food Program a continué à acheter produits agricoles pour programme cantine l'école yo et puis tout yo bay famille yo ti chocho transfert l'argent cash. Accès à principal l'hôpital général pays a coupé à cause violence gang yo. D'après un rapport UNICEF qui sorti dans mois mars 2024 là, 1.1 million femmes actives en Haïti besoin assistance nutrition, plus passé 125 000 timoun gain pour souffrir malnutrition aiguë ak youn sous 4 timoun qui a souffri de malnutrition chronique. Avec aéroport international là qui fermé, aide humanitaire dans domaine nutrition ak soins santé rete un défi, mais Nations Unies dit que la continue fournir aide ak support que capable à travers agence ak partenaires yo qui sous place. En pile moun gain gros créatif pour que sauf si sécurité a ta vin rétabli, situation Kavin pi grave toujours et ti aide que population a recevoir, li capable suspendre ou soit diminuer. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, New York. Merci Valérie Saint-Louis, d'après toujours dans New York et nous parlons dans Brooklyn côté eh ben gain glorieuse Nelson qui fait nous connaître que eh ben crise qui a passé dans pays d'Haïti a gain impact sur communauté haïtienne dans Brooklyn. Nous allons joindre et glorieuse Nelson. Haïti a fait face à une grave crise conjoncturelle. Insécurité grand goût rasait pour une cité sa yo seulement ap taye banda sou population a. Yon situation qui gen conséquence sou haïtien en dan pou de yo pays a. Kek haïtien nou rencontre nan Brooklyn, New York, exprime ke sote ak la pérèz yo genyen de yap gade sa kap pase nan pays yo. Nou te pale ak Edine Celestin ki se yon militant droit moun ki te oblige kite Haïti sa gen 4 l'année. Mba pral di ko viv même niveau stress ensemble avec moun ka vive sou terrain parce que yo nan bagala chaque jour, mais ou gon stress qu'on vit en permanence, on appelle que ou raté un monde que ou relé que ou pas joindre, en situation que ou tendé dans radio et que ou imaginé. Et ça qui est difficile là c'est que ou obligé vivre dans réalité pour la tout dans quotidien ça, ou pas carré pour dire pas le travail parce que Haïti pas bien, ou pas carré pour dire comme cette situation abdominaux ou pas faire activité chaque jour. C'est quoi vivre avec un stress et obligé fonctionnel. Même Jacques militant droit monde là, Steven Baboun qui c'est un artiste et photographe haïtien expliquer j'en ai gain anxiété. Il passe journée à informer à travers réseaux sociaux à divers autres sites qui pas information fiable. Les conscients cependant que les privilèges pour déconnecter les pas force encore alors que compatriotes nous sur terrain à vivre dans temps des blousailles là. Ces pays, mes familles, mes amis, anciens professeurs, collaborateurs, collègues, bien tout le monde aussi Haïti donc qui genre m'ta fait craser habitude ça, les dur, me senti très inutile, ça me voulait faire ou bien ça m'a fait pas gain. Pas un impact immédiat, impact là pas assez. Et je me sentis très petit, très inutile, mais c'est un sentiment pour me craser, c'est un sentiment pour me combattre parce que c'est pas vrai. Sous Bopal, Judith, qui c'est un marchand qui est installé dans une Church Avenue avec 18th Street dans Brooklyn, racontait nous que le business y prend coup. Madame Silla vend toute qualité produit qui était consorti directement à Haïti, mais depuis passé un mois, pièces marchandises par entrée. Donc là, son gros crise liée pour moi-même, les affecte parce que c'est de ça me vivre, c'est commerçant que moi.
Bon, carrément, nous passé la blanche. Pas gain pour la France, pas gain pour la Vette, pas gain la Bapin. Rien, pas gain John John, rien pas entré. Même là où Haïti gain problème, tout loi va le cacher. Tout loi va le cacher. Ou pas ka faire rien. Et de l'île moins vivre. Vous comprenez? Malgré l'inquiétude de la Pérez, intervenant a expliqué nous qu'il voulait rester quoi dans un demain meilleur pour Haïti. Glorieuse Nelson, pouvez-vous voir Créole? Brooklyn. Merci, Glorieuse Nelson. Nous sommes pour un contact là avec Port-au-Prince qui fait nous connaître que bien, pile le monde en bas la ville, dans la zone rue Pavé, rue de la Réunion, rue des Miracles, qui continue à quitter Kayo à cause de bandits qui prennent toute zone yo et gen moun chan mastou yo capable la fumée cap monter dans zone et dans zone cité soleil. Donc ça veut dire que gagne en pile activité violence qui continue à marquer la vie pays. L'autre information que nous porter pour et bien faut qu'on ait RNEDH li sorti yon rapport là après plusieurs bandes tenté passé en pile moun tap mandé côté RNEDH li même et bien fois ça li réussi sorti rapport côté li bay en pile détail bay combien moun ki bandi yo même yo assassiné bay tout combien femmes avec tifi ki nèg exam yo même yo arrivé violé nan dernier jour sa yo là nan pays d'Haïti. Et bien dans rapport yo publié hier mercredi qui était 10 avril 2024 là réseau national cap défend droit moun nan pays d'Haïti a bien yo fait konnen ke soti mois janvier pou rive mois mars 2024 là nèg exam touye pour pipiti 208 moun mette sous ça yo même yo précisé tout pendant même période ça gen 67 moun nan moun sa yo même qui perdit la vie yo nan attaque bandi exam fait sous population pour période janvier pour rive mars 2024 pour pipiti gen 208 moun yo assassiné cadavre 55 nan victime sa yo même c'est moun kap passé nan la rue et bien qui rive découvrir cadavre si la yo d'après ça yo dit c'est dans sens ça yo vle attirer attention sous service kap tankou assassinay 7 passagers nan yon ti bateau Mariani 9 cadavres qui te boulé tout nan Delma 19 en plus yo ajouté tout 5 lan mort agent Besap yo même qui te mouri nan la boule 12 jou qui te 7 février 2024 la nan Pablo Besap sa yo même selon information bien c'était la police qui te mené opération côté yo te assassiné agent Besap sa yo qui fait pile parler en pile là sous attaque si la qui te fait côté qui te gen parler en pile fait connait que c'était Guy Philippe nèg yo même yo te visé nan attaque là mais qui pas arrivé réussi. Eh bien 5 agents Besap sa yo même yo te mouri parmi liste eh bien RNEDH là les même li publié en plus quantité moun sa yo même qui mouri dans diverses circonstances. RNEDH fait comprendre 3 premiers mois ça dans année 2024 yo même yo recensé pour pipiti 5 attaques armées sous population. Pour attaque ça yo souligné gagne environ 67 moun qui veut perdre la vie dans cas ça. Yo cité plusieurs zones qui subi attaque sa yo tankou Solino, Belé, Wav Jérémy, La Saline, Peigné avec Gantier côté bandi yo entré touye moun et puis boulé. C'est ça rapport et bien RNEDH là les même les publier pour continuer dans même rapport qui gen pour ça qui concernait et bien moun ki blessé ak balio. Et bien RNEDH rapporté gen pour pipiti 158 citoyens qui victime en bas balle parmi yo yo longe doit tout sous deux cas policiers qui te prend balle 29 février 2024 là yo fait konnen agence a yo même yo tap travail dans sous commissariat Bon Repos avec dans commissariat aéroport Toussaint Louverture là yo continue yo fait konnen toujours dans même rapport ça yo côté 64 femmes avec tifi civil violence sexuelle en bas mais nèg exam yo toujours selon RNEDH là. Et bien nouveau rapport réseau national cap défendre droit moun yo même yo publié côté yo mettez dehors toujours hier mercredi dans même rapport ça. Et bien yo dit yo enregistré 64 femmes avec tifi qui subi violence sexuelle dans 3 premiers mois pour année 2024 là selon précision yo fait femmes ça yo victime. Et bien non seulement dans mes bandi mais gagnent yo tout c'est propre mari yo même qui violé yo. Soti janvier pour rive mars 2024, organisation féministe Neges Mahon ak
RNDDH recevoir 64 victimes viol en pile nan victimes sa yo même yo civi viol collectif nan men bandi et ben c'est ça yo fait connait pendant yo préciser tout femme sa yo victime nan divers attaques individu exam fait dans plusieurs zones nan pays d'Haïti et ben si gen femme actifi qui civi viol nan men gang RNDDH fait tout moun connait que nan gen femme sa yo même c'est proche yo qui violé yo et ben yo pas civi nan l'autre monde c'est violence que yo fait sou yo en pile l'autre c'est mari yo tout avec proche yo qui violé yo selon ça yo ajouté dans rapport si là yon l'autre côté n'a pas rappelé que parmi moun qui perdi la vie yo et bien dans attaque bandi fait sou civil sou yo diverses femmes te joindre la mort yo tout mita avec Esther Tunier qui lui-même te yon responsable dans collège classique féminin qui c'est CCF parmi moun qui t'est tombé en babal nek exam nan date qui était 28 mars 2024 là dans zone la boule 17 qui saute passé à là bilan c'est là lui-même qui montre que nous continuer à plonger et bien te grand pile moun qui t'a parlé si tout qui était longe doit bien loin sous directeur RNDDH là lui-même qui c'est tout en pile moun dit qui nan politique qui pas régler dossier qui gen pour avec dossier droit moun nan qui c'est Pierre Espérance et bien finalement pour 3 mois yo là yo arrivé mettre de yo bilan comment ça y nan pays d'Haïti sur l'échelle internationale n'a faut connait autorité Honduras boulé 1350 kg cocaïne que yo même yo saisi nan main trafiquant drogue autorité la police nan pays Honduras boulé 1350 kg cocaïne ça yo même qui yo té saisi nan main dit les drogues nan quartier général police militaire l'ordre public qui le PMOP nan pays Honduras la autorité yo té saisi drogue ça yo et bien c'était 24 mars 2024 qui saute passé à la côté les forces l'ordre la marine nan Honduras te arrêté 10 moun Honduras nan Caraïbes la et bien et kounya la prévenu yo ap tann jugement et bien succès nan saisi drogue si la c'est grâce à collaboration agence technique pour investigation criminelle qui gen non li ATIC avec autorité colombien eux même qui t'apral aidé yo yo fait attaque si la côté yo arrivé yo même yo déjà kembe moun sa yo nan sa ki gen pouwe avec dossier trafic drog. On dira se yon route ke trafiquant utilisé pour transporter cocaïne soti nan Amérique décide pour aller nan pays les États-Unis. Yon l'autre côté, ancien président Juan Orlando Hernandez ki kounya nan prison États-Unis pour trafic drog risque passer tout rezvili nan prison nan dossier ki gen pouwe avec dossier trafic ti poud la ke nèg yo même yo remen utilisé. Leader Hamas dit eh bien yo même pour trois petites garçons qui mouri dans attaque Israël dans Gaza et bien bagaille yo paraît compliqué. Leader Hamas li même qui relé Ismaïl Haniyeh annoncé hier mercredi 10 avril 2024 là et bien sous Al Jazeera la mort trois petites garçons ak plusieurs petites li après yon attaque israélien yo même yo te fait dans Gaza dans yon déclaration mouvement islamiste la palestinien confirmé la mort trois petites garçons li l'idée avec quatre petites li et bien monsieur ça lui même li te parlé dans état Doha ak chaîne télévision qui basé nan Qatar et bien m'en remercier bon Dieu pour honneur que li fait et bien li prend trois petites garçons avec quelques nan petites main yo pour faire yo tourner nan Martin et bien lettre si là lui même li te publié et bien li fait connait bagaille yo même yo pa pral douce malgré le remercier bon Dieu li parler li dit ça mais attaque là lui même c'est une attaque douloureuse que Israël lui même li te fait sous Hamas côté li touye trois petites garçon plus quatre petites selon ça l'idée à lui-même lui fait connait une femme accusée dans pays Espagne parce que lui-même lui t'a coupé partie intime ancien mari lui et puis lui accepté pourquoi il a passé 7 l'année dans prison et bien femme s'il a accusé de couper partie intime un garçon qui était ancien partenaire lui et bien même temps patron lui dans bas côté lui-même lui t'a travail il a accepté 7 l'année dans prison avec paiement nan compensation 250 000 euros et bien bay victime nan li même pour conséquences physiques avec psychologiques que li même li té causé nan yon procès qui té fait nan tribunal nan Barcelone accusé a li même
eh bien bureau procureur lui-même lui demandé 10 l'année prison pour lui, eh bien il était rejoint un accord avec la justice privée avec 100 l'année côté il vient descendre pour qu'elle est là pour qui république là lui-même lui diminuer sentence là avec une affaire de 7 l'année, lui seulement est en arrêté 5 l'année parce que il était en passé 2 ans en prison provisoire en plus payer compensation avec victime. Et eh bien événement ça yo même nous t'est arrivé c'était dans date qui était 31 mai 2021 les victimes n'ont été allé dans yon nan ba li t'est gagné dans ville c'est là les même qui relé Saint Andreu de la Balca et eh bien qui trouvé le dans Barcelone côté agresseur tap travail là et eh bien femme n'a proposé fait striptease pour lui, eh bien, sortant de là, c'est comme ça, monsieur, elle même lui couché sur un sofa avec femme nan, et puis lui couvrir zye victime nan, lui continuer faire sec, et puis lui profiter qu'elle lui-même lui pas capable ouais rien, eh bien, lui te prend un couteau et puis lui couper partie monsieur. D'après ça, bureau procureur lui-même lui te confirmé. Ouais, il a famille vraiment violent. Nan do an nou fè kek bagay la, le nou pral enjoy nou, et ben misé fin couché bouché jil sou kaban nan yo continue fè, et ben te tout pare kou al te gen couteau li rale couteau et ben sortan di a la li coupé ki choy garçon. Gouvernement loya nan pays les États-Unis signé loi pour arrêter immigrants yo même qui étaient déjà déportés. Gouvernement loya ki gen républicain Kim Reynolds li même te signé yon loi anti-immigrant mercredi 10 avril qui sont passé à la ça qui permet la police dans état ça et eh bien a arrêté immigrant sans papier qui était déjà refusé quitter entrer dans pays les États-Unis ou soit qui était déjà déporté et eh bien avec approbation mesi état qui gagne pour avec SF 2340 loi rentrer dans l'autre état républicain tant que Texas avec Floride qui te publié loi contre immigrants sans papier. Loi ça lui-même li ta permet arrestation immigrant qui te déporté sorti dans pays au soir yo te refusé qui te rentrer et puis qui t'a forcé et ben rentrer et ben pourquoi il est là yo ta forcé la police avec état ça yo même vérifier qui étranger qui expulsé yo dans pays les États-Unis encore elle là bagaille yo continuer temps en temps il apparaît pi danger dans dossier qui gien pour avec dossier immigrant qui gagne pour rentrer ou bien soit qui était déjà dans pays les États-Unis côté gien pile parti dans pays ça yo qui continue à marquer immigrant yo dit dans dernier moment ça yo là dans dossier qui gien pour avec dossier immigration côté pays yo et bien grand pile là dans yo qui a marqué immigrant dit n'a rappelé pays les États-Unis mais c'est un pays qui gien plus immigrant dans monde là et pour ne pas dire tout plus haïtien tout qui immigré dans pays ici là n'a font ti coup de pied dans pays d'Haïti encore côté pour nous faut connait et bien ministre qui c'est Michel Patrick Boisvert qui a dirigé gouvernement démissionnaire depuis les Ariel Henry lui-même lui aller dans camp et loin et bien il transformé tête lui en ministre de d'état d'urgence avec couvre-feu et bien prend décision hier soir encore là qui c'est 10 avril 2024 là pour renouveler couvre-feu dans zone métropolitaine là pour une autre semaine monsieur quoi là et couvre-feu matin midi soir couvre-feu et bien bandi au même continue à tailler banda pour en pile monde qui ouais c'est pas rien qu'à régler qui trop important. Toujours dossier LNEDH côté limité de yo, et bien en pile bilan, en pile information n'a ba ou ça qui est plus important là-dedans. Selon LNEDH, bandi boulé environ 107 espaces privés et publics dans 3 derniers mois ça yo là toujours. Et bien dans communiqué organisation réseau national défense droit moun nan, yo te mette de yo hier qui 10 avril là, et bien yo fait qu'on ait 107 au moins espace côté identifié dans 3 l'hôpital déjà là dans le tribunal 19 poste police bandi volo sac là dans et puis boulé au sorti dans mois janvier pour vraiment mars 2020 bandi exam prend divers espaces dans république là côté yo pas suspend théoriser population sous toute forme tant que voler touyer violer et puis mettre des faits ça qui la cause un millier de monde obligé quitter capitale là monde ça même yo aller en province ou soit à l'habiter yo dans l'école privée ou publique ou sinon sous brigandaï ou bien sous place publique et bien grand pile institution là qui tout obligé par l'ouvrir pour tout et bien pour empêcher que yo même yo pas victime avec zak malfoi ça yo même yo a fait sous population selon organisation droit monde qui c'est
HNDDH, il y a en pile l'église avec l'autre institution bandi au boulet tout pour sortir 18 janvier pour 31 janvier qui sont passé à la nèg exam illégal ça remetté du fait dans l'hôpital Sainte Trinité direction générale nationale d'eau potable qui se dit n'est pas dans ville Tiroa côté bio li avec des machines institution té rivé boulet dans manifestation bandi yo même yo t'a pral déchouquer commissariat Wanamet la tout toujours fait partie dans même zak sa yo même yo a fait toujours RNEDH continue pour ligue 11 journalistes qui victime sorti mois janvier pour mois mars 2024 la situation insécurité cap taille banda dans pays a et bien dans commencement l'année a précisément mois janvier pour mois mars 2024 là déjà gain 11 journalistes qui victime gain 8 là dans eux même c'est pendant manifestation contre gouvernement Ariel Henry qui eux même yo t'ai vivre vite et bien selon dernier rapport ça réseau national défense droit mounan et bien les mêmes qui sorti hier là et bien organisation si là les mêmes li fait qu'on est ensemble avec journaliste qui victime dans trois derniers mois ça yo et bien c'est Lemi Boutis Jocelyn Lendo Philippe Narcisse Love Mackenzie Paul Jackie Saint-Flair Wilbod Imozan Stanley Belfort Jean-Marc Jean, lui-même c'est journaliste qui était PTG. Pour PPT, trois autres journalistes qui sont arrivés victimes dans quelques circonstances n'ont pas pensé. Eh bien, ils ont été kidnappés. Lucien Jura, journaliste Alain Charles, lui-même te prend balle dans main bandits. Ils ont même pendant qu'ils ont attaqué commissariat Gros Monnan. Et puis, journaliste Nerval Pierre Villiat, lui-même te prend une balle marron dans une circonstance RNDH. La pas pour te plus précision sous lit. Insécurité nèg exam assassiné y a environ 13 policiers dans commencement année 2024 là c'est toujours dans note direction générale droit mounan li même li posté alors que institution policière li même li té perdu environ 37 agents pour l'année 2023 seulement mais pour année 2024 là la situation li même li pas changé puisque réseau national cap défend droit mounan qui c'est RNEDH montre pour seulement 3 premiers mois ça là t'a déjà gagné on a fait des 13 policiers l'autre qui tombé en babal bandi et bien yo précisé dans un rapport que yo même parmi 13 agents ça yo même gagne youn c'est population li même qui t'ai trouillé dans mi ou bal dans un premier temps et bien mes policiers qui perdit la vie au sorti 5 janvier pour 29 février qui sont passé à là selon ça chief RNDDH mette et bien Merlins Sever agent direction générale la police là qui c'est Rubens Lecto agent SWAT team et bien Rémi Sensé les mêmes qui était à travail dans service départemental la police judiciaire nord là les mêmes tout li perdit la ville j'ai trop cadet agent Idmo Gino Mourion, Monod Etienne, Espera Pierre, Lysiana Pierre, Guillamson Jean-Baptiste, Potras Resila, pour moi, Masla, lui-même, c'est instance Kabjiri, Douamouna, lui-même, lui mentionné trois policiers qui mourent, en plus de l'autre, tout qui sont blessés en babal, qui c'est Anel Noël, Jovni Duplan, c'est non des agents à eux-mêmes qui yon après l'autre tap travail dans la primati ISPM et puis ça qui tap travail dans corps intervention l'autre qui genol 6 mots et bien contrairement avec 12 autres policiers eux-mêmes qui c'est Ananel Alexandre lui-même c'est seul policier qui victime dans opération bois calé population eux-mêmes yo te fait sous la date qui était 29 mars 2024 là côté li t'a pral mouri même avec Michelet Muska lui-même qui était un agent sécurité dans conseil électoral provisoire qui ont laissé EPA à cause de yota suspect yota pral acheter balle pour nèg exam n'a fait connaître tout et bien pour même Masla maladie dépoté aller des policiers selon syndicat national la police là qui c'est Sinapoa et bien institution a tapé dit Antoine Edouard avec Estino Angelo et bien dans espace de jours seulement tous les deux policiers ça eux-mêmes yo t'est sorti 30 31e promotion la police là mais eux-mêmes c'était maladie qui d'après le trouiller yo c'est dans parmi bilan que RNDDH lui-même li mette de yo nan peyi d'Haïti. Dossier insécurité nan peyi d'Haïti, et bien continue fè peyi yo même, y a retiré
moun yo nan pays d'Haïti. Pays Brésil retire 7 nan citoyen liyo avec yon Allemand nan pays d'Haïti. Et bien gouvernement brésilien retire 7 citoyens brésiliens sa yo avec accompagné yon Allemand. C'était hier mercredi 10 avril 2024 là. Yo te fait ça à cause de situation insécurité k'ap vale terrain chaque jour et puis plusieurs aéroports yo même k'ap fermé porte nan Caraïbes la pour Haïtien. Pays Brésil retire moun sa yo nan deux vols par hélicoptère pour atterrir dans République Dominicaine, précisément dans la ville Jimani, selon un communiqué ministre d'Affaires étrangères pays Brésil là lui-même l'était metté de yo. Il y a divers autres brésiliens qui montrent avenir yo pour yo quitter pays d'Haïti tout et bien qui en total de 59, mais yo même yo voulait faire ça avec propre moyen pa yo. En plus yon grand moun allemand ta pral décider quitter pays ya et ben à cause de situation inquiétude ak la pirèz ki genyen sou pays a allemand. Ça c'est sous demande gouvernement pays européen yo même ki ta pral gen possibilité pour sauver quitter Haïti. Et ben pendant ta sa plusieurs étrangers qui tap vivre en Haïti obligé quitter pays ya depuis après attaque bandi ak zam yo fait sous divers institutions publiques avec privées en bas chapeau gougang qui relait tout vivre ensemble ni même qui continue à prendre plus territoire dans pays ya surtout dans dernier jour ça là yo paraît plus violent dans pays ya panique et qui gétant la cause 107 institutions privées ak public sibi ak zak brigandage ak boulé déjà qui donc n'a pas rappelé tout et bien gen plusieurs citoyens qui obligé quitter la caillou pour yo même y aller dormir dans l'école avec sous place publique et puis plusieurs lagé pied tout dans grand sud pays a dans grand sud sud-est et puis dans ni pour yo même yo capable sauver la vie yo. C'est côté nous cité gen dans tout pays a tout côté qui paraît plus facile pour moun lagé pied et bien yo obligé lagé pied yo quitter capitale là en façon pour capable joindre la vie meilleure. Et bien pour ça qui étranger comme yo pa gen moun en province pour y joindre et bien majorité pays continuer à retirer moun yo dans pays d'Haïti pour y aller avec yo dans pays pa yo en façon pour yo écouter yo té capable sauver la vie citoyen yo. Pays a continué à plonger côté même inflation en descend n'a pote pour dans un prochain vidéo vraiment bala. Donc c'est là que nous mettons fin dans vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une des premières façons que vous pouvez faire ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous, c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification et mettre sur toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouvelle vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça on va aider nous grandir communauté channel. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là. Et bien ou pas regrette même une seconde côté tu abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger. Et bien ou besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'a di au revoir tout le monde. N'a prévoyé encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.